Bon bah bonsoir et merci d'être venu vraiment hein, un 1er novembre aussi nombreux pour parler de Shining, dont le lendemain d'Halloween, ça s'impose un peu. Merci à Muriel donc, de me permettre de pouvoir vous parler, hein, c'est un de mes films préférés. C'est effectivement un des films les plus connus, je pense, de Stanley Kubrick, avec peut-être Orange Mécanique, en tout cas en France. C'est quelque chose, alors je voudrais dire, d'abord commencer par dire, je voudrais vous demander plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Shining ici parce que bon, il n'y en a quand même pas beaucoup, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui a lu le livre de Stephen King? Oui, quand même, ouais, pas beaucoup en fait. Hein. Et alors, qui a vu le film dans sa version américaine, c'est-à-dire de 2h23? D'accord, parce que moi je vais faire un exposé sur la version américaine en fait de 2h23. Vous allez voir des extraits qui viennent de cette version américaine. Donc ceux qui n'ont jamais vu cette version vont voir, en tout cas un extrait d'une scène qui n'est pas dans la version qui est sortie en France le 22 octobre 80. Donc j'ai découvert Shining, comme beaucoup, j'étais adolescent hein, en octobre 80, quand j'avais 16 ans quand je l'ai vu. Et c'était à l'époque donc la deuxième adaptation cinématographique d'un livre de King, hein, qui n'était pas encore l'auteur mégastar, bien sûr, qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait eu Carrie de Brian De Palma avant, et donc Shining était la deuxième adaptation qui était attendue avec beaucoup d'impatience, parce que ça faisait 5 ans que Kubrick n'avait pas fait de film, hein, et cet écart va aller en augmentant avec les années, hein, puisqu'entre Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, son dernier film, il y aura 12 ans. Donc, je me souviens, en tout cas, moi, en tout cas avec les yeux de gamin de 16 ans que j'étais, que j'avais été déçu par le film. Quoi. Je l'attendais sous le registre de la terreur pure, en pensant qu'on allait avoir la trouille de notre vie. Et c'est vrai que, de ce côté-là, le film ne m'avait pas paru, en tout cas, remplir son contrat de ce qu'on appelle, vous savez, le jump scare, c'est-à-dire de quand on est adolescent, on aime bien aller voir des films d'horreur pour sursauter, avoir peur très... Là, j'avais trouvé le film très différent de ce que je voyais d'habitude, et comme quand on découvre quelque chose qui nous déconcerte, on a tendance à le rejeter. Moi, je l'ai revu après je ne sais pas combien de fois, et finalement, je l'ai compris, je l'ai assimilé, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie horreur cachée, enfin, pas cachée, mais disons qu'elle n'était pas exprimée comme on exprime d'habitude l'horreur au cinéma, par des effets chocs, vous voyez, il y en a quelques-uns, mais globalement, c'est un film qui tourne le dos quand même à toutes les conventions du cinéma d'épouvante, en tout cas, qui étaient à l'époque, dans l'usage que les cinéastes faisaient d'un certain nombre de trucs. Kubrick a tourné le dos à tout ça. Et ça explique un petit peu la déception ou le côté déconcerté des spectateurs de l'époque. Vous savez que le film n'a pas été un succès hein, quand il est sorti aux États-Unis. Ça paraît un peu aberrant aujourd'hui. Mais le film a même été extrêmement mal accueilli par la critique. Il a été nommé, Kubrick et Nicholson et Shelley Duvall ont tous les trois été nommés au prix qu'on appelle le Razzie Award, c'est-à-dire l'équivalent ici, je sais pas, des bidets d'or, vous voyez, c'est les plus mauvais films de l'année. Hein. Et il était en bonne compagnie, puisqu'il y avait Brian De Palma pour Pulsion aussi, hein, et William Friedkin pour Cruising, un film qu'il avait fait avec Al Pacino, qui était sorti en 1981. Donc on voit quand même que c'est des films qui ont été après réévalués hein, avec le temps, mais qui avaient été extrêmement mal accueillis. En tout cas, Kubrick a toujours eu un rapport assez difficile avec la critique américaine, qui avait tendance à désinguer absolument tous ses films, et notamment Barry Lyndon qui était sorti avant. Donc Barry Lyndon avait été un gros échec quand c'était sorti en 1975 hein, aux États-Unis. Il avait coûté très cher, ça n'avait pas rapporté d'argent. Kubrick avait une relation privilégiée avec le studio Warner, hein, qui lui faisait confiance. Donc il était soucieux pour son film suivant de faire un film commercial, c'est-à-dire de faire un film qui pouvait remporter un gros succès au box-office. Et c'est peut-être la seule fois de sa carrière où il a été motivé par un souci de trouver un matériau commercial, qui n'était pas du tout... Il voulait faire des films qui s'adressaient au plus grand nombre, mais il avait des énormes exigences artistiques aussi, donc il était un peu en porte-à-faux. Mais là, d'aller chercher un livre de Stephen King qu'un des dirigeants de la Warner, John Calley, lui avait envoyé. Il lisait toujours beaucoup de livres. Hein. Après un film, il cherchait son nouveau sujet. Il avait tendance à lire énormément de bouquins parce qu'il cherchait avant tout ses sujets dans des livres. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui écrivait des scénarios originaux. Mais là, pour Shining, ce qui est différent, c'est qu'il y a le souci de faire quelque chose qui va probablement lui permettre de redorer son blason après l'échec de Barry Lyndon pour conserver une relation privilégiée avec la Warner. Donc, en gros, vous voyez, il y avait des films comme L'Exorciste de William Friedkin qui était sorti en 1973-74 en France, qui avait été un énorme triomphe pour la Warner. Donc, il se disait que le genre horrifique était un genre qui commençait à être
en tout cas perçu comme quelque chose de très commercial. Alors qu'avant, c'était, vous voyez, bon, les films d'horreur, c'était des choses, ça avait commencé un peu avec Rosemary's Baby de Polanski en 68, mais c'était plutôt des séries B, hein, c'était pas les films qui remportaient le plus gros succès, les films d'horreur. Donc il n'avait pas spécialement un goût prononcé pour l'horreur au cinéma. Il aime Rosemary's Baby, mais c'est pas quelqu'un qui, dans ses films préférés, vous citera au moins une dizaine de films d'horreur. Donc il y a une ambiguïté dans Shining, dans le sens où vous savez quand même qu'il a existé jusqu'à 3 versions du film. C'est-à-dire il y a une première version, en fait, celle qui est sortie en mai 1980 aux États-Unis. Il y avait une scène finale, avant le plan final célèbre du travelling avant sur cette fameuse photo, hein, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Il y avait une scène qui montrait Shelley Duvall, le gamin Danny, et à l'hôpital, après la poursuite dans le labyrinthe et la mort de Jack, et on voyait le directeur de l'hôtel, Ullman, qui venait leur rendre visite pour voir comment ils allaient, hein, et qui leur disait qu'ils n'avaient pas retrouvé le corps de Jack Nicholson, de Jack, dans le labyrinthe, et en fait que l'hôtel était intact, il n'y avait aucune trace de ni le cadavre d'Aloran, ni les flots de sang, enfin donc, en gros, on pouvait se dire, est-ce que tout ça n'a pas été complètement fantasmé. Et avant de partir, Ullman donnait la balle jaune au gamin qui jouait dans le hall de l'hôpital. Il lui donnait, vous savez, la fameuse balle jaune qu'on voit arriver comme ça dans une scène du film avant que l'enfant rentre dans la chambre 237, une balle qui a visiblement été envoyée, on ne sait pas par qui, hein, c'est jamais montré, mais qui en tout cas vient de l'hôtel. Et donc, en montrant Ullman donner cette balle à Danny, ça jetait un peu une confusion parce qu'on pouvait croire que Ullman était dans le coup, vous voyez, ou que c'était un fantôme aussi, ou qu'il était. Enfin, il y avait une confusion, et donc il a coupé cette scène qui n'était pas dans le livre de King. Hein, et donc, il y a eu cette première version, donc, que très peu de gens ont vue, hein, pendant une semaine aux États-Unis. Après, il y a eu la version américaine, telle qu'on la connaît, dont je parle ce soir, hein, qui est la version de 2h23. Et après, pour l'Europe et pour l'international, il a remonté une version plus courte, d'1h59. En coupant quand même donc près de 25 minutes, hein, parce que le film avait donc déçu au box-office américain, et on lui avait dit, si tu coupes une demi-heure, enfin 25 minutes, ça permet de gagner une séance supplémentaire. Et que Kubrick ait accepté de faire ça, c'est-à-dire qu'il y ait 3 versions différentes d'un film, ça prouve qu'il était, à mon avis, pas aussi à l'aise que ça avec ce genre-là. C'est-à-dire que vous allez voir Shining, un film très connu aujourd'hui qui est disséqué à n'en plus finir. Si vous allez sur YouTube, il y a je ne sais pas combien de vidéos, n'importe qui fait sa vidéo pour expliquer un sens caché, vous voyez, enfin, c'est devenu très très tendance, ce qui n'était pas le cas, hein, quand il s'est sorti en 1980. Mais aujourd'hui, moi je pense que ça s'est perdu. Je ne pense pas que c'était un film, en tout cas avec un genre avec lequel il était si confortable que ça. Et tout ce qui est aujourd'hui vu comme quelque chose d'iconique, vous voyez la célèbre scène où Nicholson défonce la porte, fait des grimaces et tout, aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui fait partie comme ça, hein, de l'imagerie du cinéma d'épouvante. Mais je continue, moi personnellement, même si j'adore le film, je pense que c'est qu'il n'a pas fait exactement un film d'horreur. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez raté, je pense, moi, dans la performance de Nicholson, qui est over the top. C'est-à-dire, je pense qu'on l'horreur, l'épouvante premier degré, est désamorcée par cette performance qui est vraiment presque comique. Et il avait, hein, cette volonté d'aller dans le comique. Quand vous voyez Docteur Follamour, quand vous voyez Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, on rit à Orange Mécanique. C'est d'ailleurs quelque chose qui permet aussi de désamorcer l'horreur des situations. Il avait tendance à pousser ses acteurs dans l'excès comme ça. Mais dans Shining, je trouve que de pousser Nicholson dans ce genre d'excès, ça désamorce l'épouvante. C'est-à-dire quand il parle vraiment avec ses grimaces, moi je trouve que ça désamorce l'épouvante. Et en fait, ça fonctionne très bien sur d'autres niveaux, hein. Le film est très efficace, sinon on n'en parlerait plus. Par contre, s'il ne fait pas peur immédiatement, il reste dans la mémoire. Et pourquoi ce film, finalement, rend les gens cinglés? Pourquoi il y a des gens qui revoient ça, mais pour la millième fois, pour essayer d'y trouver un sens caché? C'est de ça que je vais parler aussi un peu ce soir. C'est-à-dire que je pense que, sans être un conspirationniste ou quelque chose qui croit qu'il y a à tout prix un sens caché derrière les choses, je crois franchement que dans ce film-là, comme dans... En tout cas, il y a 3 films de Kubrick, moi, qui me semblent, en tout cas, construits comme ça. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, Shining et Eyes Wide Shut, sont des films qui ont un vrai sous-texte, qui ont un vrai sens caché. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, je pense, de Barry Lyndon, ni de Full Metal Jacket, ni d'Orange Mécanique, qui sont des films où le vrai sujet est énoncé clairement. Mais dans ces 3 autres films, on peut vraiment faire des interprétations assez élaborées. Et tout ça s'articule, en fait, parce que beaucoup de choses ne sont pas dites.
Et ça, ça permet donc le délire. Vous allez notamment voir, comme Muriel le disait, après ce fameux film qui a été fait il y a quelques années, qui s'appelle Room 237, et qui réunit un petit peu comme ça plusieurs interprétations complètement délirantes, et certaines d'ailleurs belles et assez intéressantes, mais qui sont très certainement très loin de ce que Kubrick voulait faire, notamment tout ce qui concerne le sens, la confession cachée que Kubrick ferait via Shining de sa responsabilité d'avoir filmé les alunissages de Apollo en 1969. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais il y a une théorie de la conspiration qui court comme ça depuis des années, même depuis 1980. Moi, j'avais parlé avec son assistant monteur, Gordon Steinforth, sur Shining, qui racontait que déjà à l'époque, il en parlait. Il disait, mais comment ils ont pu croire que j'aurais pu faire ça à Londres, quoi, et de filmer dans un studio les astronautes en faisant croire qu'ils étaient sur la Lune. Mais ça, ça l'a poursuivi des années. Je pense que cette rumeur a encouragé d'autres rumeurs, le fait que la NASA lui ait fabriqué cet objectif pour Barry Lyndon qui permet de filmer à la lumière des bougies, ça n'a fait encore que d'apporter de l'eau au moulin de ces gens-là. Mais disons que Kubrick, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en tout cas établi, qui n'était en tout cas pas du tout vrai quand le film est sorti. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui l'analyse kubrickienne des films de Kubrick a tendance à insister beaucoup sur le sens caché des films, c'est-à-dire d'inventer des théories et des choses qui ne sont pas montrées. Alors, il y a des vraiment, on va y revenir. Il y a des choses, je pense, c'est tout à fait recevable, et il y a des choses qui sont pas forcément vraies, parce que je vous dis, ces trois versions du film, ces hésitations par rapport à faire trois montages différents du film, ça montre qu'il n'était pas si sûr de lui. Ça prouve que tout n'était peut-être pas aussi pensé, aussi calculé que ce que ces théoriciens sous-entendent. Parce qu'aujourd'hui, on dit quand même que dans les films de Kubrick, vous voyez, si vous avez la bouteille qui est comme ça, si dans le plan d'après, la bouteille est là, c'est que ça veut dire quelque chose. Alors que à l'époque, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas YouTube. Probablement, même s'il était très méticuleux, il avait peut-être fait des erreurs de continuité, et en se disant que personne n'allait le remarquer, parce qu'il n'imaginait pas que des gens, dans des années à venir, allaient repasser 500 fois le film comme ça, dans tous les sens, en faisant des arrêts sur image et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez faire, chez Buñuel, il y a des erreurs de continuité aussi, et c'est pas voulu du tout. Donc, il faut se méfier de cette interprétation comme ça, à outrance, en croyant qu'un cinéaste... Il avait un sens, un contrôle sur ses films qui était supérieur au contrôle moyen d'un metteur en scène américain de cette stature, c'est sûr, parce qu'il tournait pendant près d'un an. Mais quand vous tournez pendant près d'un an, que vous faites presque 100 prises... Il y a par moment, vous pouvez mettre 3 semaines à tourner une scène, donc forcément, si la script s'est gourée et que vous avez un objet qui n'est pas exactement là, tout d'un coup, vous pouvez vous planter, mais se dire, c'est pas grave, personne ne le remarquera. Et là, il se trouve qu'il y a des gens qui le remarquent et qui construisent quelque chose autour de ça. Donc, c'est un nouvel axe, théorie sur Shining et sur les films de Kubrick, qui est extra. Il y a des gens qui écrivent des livres entiers là-dessus. C'est-à-dire, il y a un théoricien américain qui s'appelle Geoffrey Cox, qui a écrit un livre entier sur Shining, qui s'appelle The Wolf at the Door, le loup à la porte, qui est sur le sens caché de Shining lié à l'Holocauste et aux nazis. C'est-à-dire qu'en gros, ça raconte l'histoire, l'hôtel Overlook, le sang qui sort de l'ascenseur, c'est le sang des juifs. Vous voyez, donc c'est complètement. Enfin, moi, je trouve complètement délirant que les valises entassées dans le hall de l'Overlook, c'est les valises des Juifs qui arrivent au camp de concentration. Vous voyez, donc, ça va jusque-là. Bon, moi, j'irai pas jusque-là. Je vais quand même vous passer, en tout cas, je vais articuler mon exposé autour de 7 extraits du film. J'aurais voulu en mettre bien plus, mais pour vous expliquer, en fait, un peu comment fonctionne la narration kubrickienne. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. C'est-à-dire, vous avez... Ce n'est pas quelqu'un, Kubrick, qui avait recours à des scénaristes professionnels hollywoodiens qui savaient faire un scénario en 3 actes bien calibré, comme on vous l'explique aujourd'hui dans certains manuels. Il avait
tendance à appeler plutôt des écrivains, vous voyez, des gens qui n'étaient pas du sérail hollywoodien, pour toujours partir d'un livre, hein, parce qu'il voulait, il avait lui-même écrit deux scénarios originaux au début de sa carrière, qui étaient pour des films très mauvais, hein, Fear and Desire and Killer's Kiss, en tout cas des films qu'il ne voulait presque pas montrer. Donc il voulait maintenant à chaque fois partir d'un livre, parce qu'il pensait que c'était très important d'avoir comme garde-fou sa première expérience de lecteur sur une histoire. C'est-à-dire, quand vous écrivez un scénario original, une histoire originale, au bout d'un moment, vous n'avez plus de recul sur votre histoire. Tandis que là, même si vous faites un scénario qui s'éloigne un peu du livre, vous avez comme repère toujours la réaction que vous aviez quand vous avez découvert le livre. Et ça, pour lui, c'est très important, parce que c'était une manière de se dire, les gens, en tout cas, moi j'ai aimé ce livre, j'ai été attiré par cette histoire, donc ça, ce sera toujours là dans le scénario, même si on verra, par rapport à King notamment, il s'est pas mal éloigné. Donc en tout cas, quand il se mettait au travail sur un scénario, et moi j'ai pu lire, hein, des différents états du scénario de Shining, vous pouvez les lire aux archives Kubrick à Londres, il y en a même certains qui circulent sur Internet, certains états du traitement notamment, c'est très intéressant, parce qu'on voit vraiment que il avançait à tâtons. C'est pas du tout le type qui a déjà exactement le film qu'on voit là, sur son papier. J'ai lu aussi des scénarios de Eyes Wide Shut et de Full Metal Jacket qui sont extrêmement loin du résultat final. Donc ça veut dire qu'il explorait beaucoup de pistes, comme quand il fait interpréter sans prise à un acteur, il épuisait ses scénaristes aussi, hein, à essayer d'aller dans 20 directions différentes pour voir quelle était la meilleure façon d'adapter le livre. Donc en tout cas pour Shining, il a fait appel, il a ignoré le script que Stephen King avait écrit lui-même, hein, spontanément. King avait adapté déjà son roman. Il n'a même pas voulu lire le scénario, ce qui a tout de suite, je pense, engagé leur relation sous un mauvais jour, hein, puisque vous savez que King déteste le film de Kubrick. Donc après, il a cherché une collaboratrice. Et avant de trouver le livre de Shining, il avait pensé adapter un livre un peu gothique, hein, puisqu'il voulait quand même aller dans cette direction-là. Il avait lu un livre qui s'appelait The Shadow Knows, qui était l'œuvre d'une professeure de littérature comparée et gothique qui s'appelle Diane Johnson. Et donc, il avait beaucoup aimé ce livre. Il avait pensé l'adapter à un moment. Finalement, il y avait renoncé. Mais il a appelé Diane Johnson pour collaborer avec lui sur l'adaptation de Shining. Et donc, avec Diane Johnson, ils ont commencé, en fait, par voir des films. Ils ont beaucoup regardé de films qui sortaient, des films de fantastiques, hein, qui sortaient à l'époque. Ils ont regardé les films de Jack Nicholson, parce qu'il avait déjà décidé que ce serait Jack Nicholson qui jouerait le rôle de Jack Torrance. Hein. Il l'avait contacté, il était d'accord. Donc, ils ont commencé à voir... Et ça, je vous le dis, parce que c'est important, quand même, pour Shining. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont écrit... lui, il avait lu le livre en pensant à Nicholson. C'était d'ailleurs, il y a quelque chose qui favorisait ça, hein, puisque le personnage s'appelle Jack. Donc, je pense que ça avait dû favoriser tout de suite l'identification. Et donc, ils ont regardé beaucoup de ces films-là. Et vous voyez qu'il y a des films de Nicholson où il est beaucoup sur le registre dépressif et beaucoup, des fois, sur le registre très excité. Et donc, ça a beaucoup influencé l'écriture du personnage de Jack Torrance. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut quand même dire assez vite, c'est que une des raisons pour lesquelles King déteste le film de Kubrick, c'est aussi en raison du choix de Jack Nicholson. Parce que, d'après King, King avait écrit un livre qui était extrêmement personnel. C'est-à-dire que pour lui, vous savez qu'il avait quand même des problèmes d'alcool, hein, au début de sa carrière. Et le personnage de Jack Torrance est quand même, je pense, un personnage dans lequel il a mis beaucoup de lui-même, Stephen King. Et il voyait un personnage qui était en fait un brave type qui, tout d'un coup, était tiraillé par les démons de l'Overlook pour passer du côté obscur, hein, c'est-à-dire qu'il allait devenir un tueur, mais qui au départ était un brave type. Alors que Kubrick, en fait, en choisissant quelqu'un comme Nicholson, il installe tout de suite en fait, la perception qu'on a de Jack Nicholson en 1978, hein, quand le film commence à être tourné, c'est le vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi, de Miloš Forman, pour lequel Nicholson avait obtenu un Oscar. Et donc... quand on voit arriver Nicholson dans le bureau de Ullman au début du film, hein, pour l'entretien d'embauche, vous pouvez déjà voir des grimaces, des sourcils en accent circonflexe, et il n'y a pas de surprise que ce type devienne dingue, parce qu'il est presque déjà fou dans le bureau du directeur de l'hôtel. Donc King trouvait que ça tuait complètement la progression dramatique qui devait s'installer normalement, de voir un type sympa. Lui, il avait pensé par exemple à John Voight, vous voyez
un type all American, comme ça, un type plutôt qui ressemble à un héros américain, qui progressivement devient un monstre. Et là, si avec Nicholson, on avait en fait tout de suite un type qui était un monstre dès le départ, donc on perdait cette progression. Et cette notion, en fait, c'est pour ça que Shining, en même temps, est un film très particulier quand vous regardez sur le plan du scénario. Moi, je suis un peu scénariste, donc ça m'intéresse aussi. Mais vous voyez que c'est pas spécialement un bon scénario, parce qu'en gros, il n'y a pas de progression dramatique. Et ça va être un des axes aussi de mon exposé, c'est que le scénario, en fait, est quasiment expliqué pendant l'entretien d'embauche avec Ullman. C'est-à-dire qu'on explique que le type d'avant est devenu dingue, et en gros, on voit Nicholson, donc on sait que ça va prendre ce chemin-là, c'est-à-dire l'histoire d'un type qui va devenir fou dans cet hôtel et qui va finir par vouloir tuer sa femme et son fils. Donc en fait, il n'y a pas de surprise. Vous voyez, normalement, quand on écrit un scénario, au début, il faut créer une progression dramatique. Il n'y a pas de progression dramatique dans Shining, c'est-à-dire tout est quasiment dit à l'avance, c'est-à-dire on sait déjà tout ce qui va se passer. On avait fait ce reproche à Kubrick déjà quand il avait fait Barry Lyndon, vous voyez, qui est donc un film sur un aventurier du XVIIIe siècle hein, qui s'engage dans l'armée pour finir par épouser une comtesse noble anglaise et qui après connaît une décadence. Et en fait, il avait installé une voix de narrateur off. Qui n'était pas dans le livre et qui annonçait à l'avance tout ce qui allait se passer. Et donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas des critiques aux États-Unis, qui lui avaient reproché ça, qui avaient dit « Mais quel intérêt de voir un film où un type nous explique 4-5 séquences à l'avance, qui va perdre son fils, vous voyez, donc ça tue le suspense. » Ils n'avaient pas compris du tout ce qu'il avait cherché à faire avec Barry Lyndon. Donc Barry Lyndon, ça marche très bien, parce que je ne vais pas vous parler de Barry Lyndon, mais en tout cas, c'était une manière d'installer la fatalité, la providence, la voix de la providence dans un film comme ça, qui était censé illustrer la destinée humaine. Dans Shining, d'annoncer à l'avance tout ce qui va se produire dans un film d'horreur, c'est un peu plus problématique, parce que du coup, on n'est pas surpris quand les choses arrivent, c'est-à-dire... vous allez voir quand même que je pense qu'il a aussi été influencé par Vol au-dessus d'un coucou d'une autre manière. Je vais vous demander d'envoyer en fait le premier extrait qui est en fait l'ouverture du film, hein, quasiment le générique, parce que c'est toujours intéressant avec Kubrick de regarder le premier et le dernier plan, et c'est ce que je ferai aussi. L'ouverture de Shining, donc le générique qui est que ceux qui ont vu le film, je pense, identifient très bien. Extrait numéro 1, donc.
Voilà, donc c'est la sublime ouverture de Shining avec ce plan d'hélicoptère. Alors bien sûr, ce n'est pas Kubrick qui l'a tourné, puisque vous savez que Kubrick ne prenait jamais l'avion. Tout le film, enfin, il y en a peut-être qui l'ignorent, mais vous savez que tout le film a été tourné en Angleterre, dans des studios. Tout ce qui est l'intérieur de l'hôtel, c'est l'Angleterre. Et donc là, c'est une deuxième équipe qui donc est allée dans le Colorado, où se passe l'action du livre de Stephen King, filmer en fait l'arrivée du personnage de Nicholson, donc la voiture, qui rejoint en fait un hôtel qui existe, celui qu'on voit là, qui s'appelle le Timberline Lodge, qui est au pied du mont Hood, qui est un volcan. En fait, c'est pas le Colorado là, c'est l'Oregon. Ils ont tourné en Oregon, mais le film est censé se passer dans le Colorado. Donc, en fait, qu'est-ce que cette ouverture nous dit? Pourquoi c'est intéressant d'observer, de disséquer l'incipit d'un film, comme celui d'un livre? C'est pourquoi ça ressemble a priori au début de plein de films américains, des plans d'hélicoptère comme ça, avec un générique pour situer l'action. Ça paraît pas très nouveau comme ça, à part que là, il y a une espèce de mouvement extrêmement fluide. Mais le livre de King commence directement dans le bureau du directeur de l'hôtel. Il n'y a pas ce trajet qui est décrit comme ça. Alors, d'abord, Kubrick voulait montrer que le personnage de Nicholson arrivait en haute montagne dans un endroit extrêmement isolé. Donc le générique permet d'établir ça. Mais alors, il y a une autre lecture qu'on peut faire et qui est extrêmement intéressante par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure des films de Nicholson et en tout cas des films que Kubrick avait vus quand il écrivait le scénario, c'est que Nicholson est connu pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Si vous regardez le début de Vol au-dessus d'un nid de coucou et le générique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, vous voyez le premier plan de Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est le mont Hood dans l'Oregon. C'est-à-dire, vous voyez cette montagne enneigée, vous voyez une voiture qui passe, dans lequel se trouve le personnage de Nicholson, qui va à l'asile où va se dérouler le film. Et après, il y a une longue entrevue avec le directeur de l'asile qui lui dit qu'il vient pour une évaluation. Et c'est assez étrange de voir ça, parce que je pense que, franchement, il a été influencé par ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'inscrire, ça c'était une technique que Kubrick avait aussi, comme d'autres metteurs en scène un peu comme ça, postmodernes, c'est-à-dire d'inclure dans un film, il ne décrit pas seulement ce que raconte l'histoire, le scénario, il veut inclure le bagage des acteurs, ce qui trimballe avec eux comme image de marque, et même l'histoire d'un pays, comme on va voir. Enfin, il essaye de mettre dans un film énormément de choses, et quelque part, c'est des choses qui restent comme ça dans l'inconscient. En tout cas, le début de Shining, avec cette vous savez que c'est le dies irae de la symphonie fantastique de Berlioz, cette musique comme ça, qui a été réorchestrée par les deux musiciennes en fait, qu'il avait utilisées sur Orange Mécanique, Wendy Carlos, qui s'appelait Walter Carlos à l'époque, qui était un homme, donc c'est une transsexuelle, elle est devenue femme au moment de Shining, Wendy Carlos, et Rachel Elkind, qui ont donc réarrangé ce morceau de Berlioz, en fait, ce dies irae, qu'on a entendu dans plein de films, qui est très célèbre, qui est une musique liturgique, qui en général est une marche au supplice, comme ça, qui accompagne, on l'entend dans le 7e saut de Bergman, par exemple, vous voyez. Mais c'est assez approprié, parce que la marche au supplice, et même l'ouverture de Orange Mécanique avec les funérailles de la Reine Marie de Purcell, c'était déjà un peu une musique dans cet esprit-là qui racontait un peu le futur calvaire du personnage de Malcolm McDowell. Donc là, en fait, on entend des voix comme ça qui ont l'air presque déjà d'être les voix des habitants de l'Overlook, vous voyez, ou alors des Indiens. Il y a des sonorités indiennes comme ça, un petit peu, qui sont presque comme des chants, ces voix comme ça qu'on entend se plaindre. Et quand vous voyez Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a une musique comme ça, un petit peu indienne aussi. C'est ça qui est assez intéressant. Donc ça, c'est la parenthèse pour voir quand même que je pense qu'il y a le spectre de Vol au-dessus d'un nid de coucou et des rôles de Nicholson dans cette ouverture, qui sont inscrits dans cette ouverture, quoi. Et à plus forte raison après, avec l'entretien avec le directeur de l'hôtel, ou si je vous engage, si vous avez, je sais pas, le DVD de Vol au-dessus d'un nid de coucou chez vous, regardez si vous en avez l'occasion, le début de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je suis sûr que vous verrez le parallèle avec Shining.
Et donc, là, c'est arrivé... alors, vous verrez, après, bon, moi, je ne vais pas aller comme dans Room 237, parce qu'il y en a qui ont des interprétations de ce début avec ce qu'on voit dans les nuages et tout ça. Moi, je ne pense pas qu'on voit quelque chose de spécial dans les nuages. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit un point de vue comme ça. Qui regarde ? C'est-à-dire que ce plan d'hélicoptère, est-ce que c'est un esprit malin qui est déjà, vous voyez, comme une sorcière, comme ça, qui volerait au-dessus du lac pour accompagner le personnage de Nicholson jusqu'à l'hôtel ? On a un peu l'impression que c'est un peu un point de vue comme ça d'un démon, hein, John Borman. Vous savez qu'il avait fait un film qui était la suite de l'Exorciste au même moment, hein, qui s'appelait Exorciste 2, l'hérétique, où il avait utilisé la caméra qui va servir pour Shining, qui s'appelle le Steadicam, qui était là fixé à un hélicoptère, mais il l'avait utilisé pour ça, c'est-à-dire pour le point de vue du démon. C'est-à-dire, et là, on a quand même quelque chose un petit peu du même ordre, hein, quand même. Quand vous voyez ce plan comme ça, on peut l'interpréter de tas de façons. Est-ce que c'est, vous voyez, le point de vue du retour du refoulé, parce qu'il y a une lecture freudienne à faire de Shining qui est tout à fait recevable, mais vous avez aussi dans ce qui est assez curieux, vous voyez, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de mettre les films en rapport les uns avec les autres, c'est que vous regardez 2001, l'Odyssée de l'espace, notamment tout le passage où le personnage de l'astronaute, vous savez, est pris dans cette espèce de tunnel d'hallucination à la fin, là, hein, quand il voit des images solarisées, vous avez presque déjà le plan de Shining, c'est-à-dire il survole à un moment un canyon avec un lac, et c'est presque déjà l'image qu'on voit là, vous voyez. Donc c'est, moi je pense qu'en tout cas Kubrick faisait dialoguer les films les uns avec les autres, et je vous expliquerai pourquoi je fais cette comparaison après, plus tard. Donc, en tout cas, vous allez voir, vous avez vu qu'ici, ça se termine par un carton qui dit « The Interview ». Donc, Shining est en fait décomposé en... En fait, il y a plusieurs cartons, comme dans un film muet, vous voyez, qui rythme comme ça la narration. Il y en a 10 en tout. Il y a « The Interview », il y a « Closing Day », donc le jour de fermeture. Il y a « Un mois après », il y a « Après, on passe au jour », il y a « Mardi », jeudi, samedi, lundi, mercredi, après on passe à 8h du matin, et enfin, le dernier chapitre, c'est 4h de l'après-midi. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une espèce de concentration, comme si on partait comme ça de quelque chose de vaste pour se resserrer de plus en plus sur un... vous voyez, on passe aux heures, on passe... Et ça, cette concentration, c'est aussi, vous voyez, on part quand même là d'un paysage... filmé avec un grand angle, hein, vous voyez le paysage du Colorado comme ça, qui est filmé comme ça de manière extrêmement impressionnante, vue du ciel, et on va finir le film sur le visage de quelqu'un enfermé dans une photo, vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit que cette volonté d'aller du plus grand vers le plus petit comme ça, et avec ce travelling avant comme ça, qui est une figure qui va revenir pendant tout le film. Vous allez voir cette figure du travelling avant, on la voit pendant tout le film, et Elle véhicule beaucoup le sentiment d'effroi, le sentiment d'épouvante. Et vous savez qu'il y a plein de psychanalystes aussi qui ont associé ça dans des lectures cinématographiques au retour vers le ventre maternel. Bon, je n'irai pas là-dessus, mais vous pouvez faire une lecture, en tout cas, du labyrinthe après qui se trouve à l'extérieur de l'hôtel Overlook, dans lequel mourra Jack à la fin quand il poursuit son fils, où il mourra gelé. Vous avez en tout cas les circonvolutions comme ça du labyrinthe qui peuvent faire penser aussi à quelque chose de cet ordre-là. Donc, Kubrick avait en tout cas, pour la narration, il avait un principe. Alors, je vous ai dit les dix chapitres. Il pensait que pour adapter une histoire, enfin, en tout cas, pour faire un scénario, il fallait trouver ce qu'il appelait au moins 9 unités, ce qu'il appelait des unités insubmersibles. C'est-à-dire qu'il fallait des blocs, comme ça, vous voyez, narratifs, presque indépendants les uns des autres, et qu'il suffisait, en fait, pour faire un film, de créer des passerelles entre ces différents blocs, comme ça. Et donc, quand il commençait le travail avec un scénariste, Frédéric Raphaël, par exemple, même l'a dit quand il travaillait sur le scénario d'Eyes Wide Shut, c'est qu'il cherchait quels sont les moments... En fait, c'est une fameuse 9 unités, là, il y en a quasiment presque 10, hein, qui sont... et il travaillait sur ces unités-là pour créer après des passerelles qui sont purement formelles. Mais c'était très important pour lui d'avoir 9 blocs comme ça, extrêmement solides sur le plan de la narration, et qui étaient presque des films en eux-mêmes, hein, comme ça. Et donc, c'est déjà ça, une technique qui est extrêmement inhabituelle dans le cinéma américain. Le cinéma américain fonctionne, même le très bon cinéma américain fonctionne, je vous ai dit, sous une règle qui vient du théâtre, hein, qui est un peu absurde, mais qu'on continue d'appliquer, qui est celle des 3 actes. Hein. On vous explique qu'il faut 3 actes dans un scénario. Le plus complexe, c'est le deuxième, où on complique la situation de départ. Enfin, et il faut surtout provoquer l'identification avec le personnage principal. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, chez Kubrick,
a toujours été détourné. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un film de Kubrick où le personnage principal est quelqu'un auquel, en tout cas, un public américain de base va s'identifier facilement. Ce qui a créé quand même, je pense, qui est responsable aussi des problèmes que ces films ont pu rencontrer avec le public américain au moment de leur sortie. C'est-à-dire le personnage, vous voyez, même dans ses grands succès, hein, comme Orange Mécanique, vous voyez, c'est très difficile de s'identifier au personnage d'Alex, le voyou qui tue et qui viole dans la première partie. Et après, finalement, on s'identifie à lui, mais vous voyez, il y a ces deux parties où, parce qu'il devient victime après. Donc on ne sait jamais comment vraiment se positionner par rapport à ce personnage. C'est un peu pareil avec Ryan O'Neill qui joue Barry Lyndon. Vous voyez, il y a deux parties comme ça, et on voit quand même, quand il devient de plus en plus odieux avec sa femme, c'est difficile d'avoir pour le public américain, eux, ils veulent des héros sympathiques, ils veulent que ce soit des braves types. Et les personnages de Kubrick ne sont pas des braves types. Et c'est encore plus vrai ici, forcément, hein, avec Jack Nicholson. Ça le sera aussi avec Tom Cruise dans Eyes Wide Shut. Ce ne sont pas des personnages qui déclenchent l'identification. C'est au contraire des personnages qu'on regarde de loin, de haut, comme ça, comme, vous voyez, qui recoupe un peu le regard un petit peu d'entomologiste que Kubrick a sur ses personnages, et qui est quelque chose qu'on lui a reproché, hein, parce que c'est les gens qui n'aiment pas Kubrick, généralement, c'est des gens qui disent c'est un regard froid, les personnages ne sont pas humains, on n'est pas touché par eux, on n'est pas ému, voilà, ça c'est la critique qu'on fait à Kubrick en général. Mais elle est fondée, hein, mais moi je trouve que, en tout cas, elle est sûrement provoquée par cette technique particulière qui reconduisait de film en film, hein, c'est-à-dire de ne pas provoquer d'identification. Après, quand il engageait des acteurs, il engageait toujours deux types d'acteurs bien précis pour jouer ses protagonistes. Il engageait soit des gens qui ont un visage extrêmement lisse, vous voyez, je pense au cosmonaute de 2001, l'Odyssée de l'espace, Kier de Leia. Je pense à Ryan O'Neill dans Barry Lyndon, vous voyez, des personnages comme ça, presque falots comme ça. Et Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, ou alors il engageait presque le personnage qui grimace, qui est presque un masque de clown. Hein. C'est Peter Sellers dans Docteur Follamour, c'est Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, c'est Jack Nicholson dans Shining, et le sergent instructeur de Full Metal Jacket. Et en fait, ces deux types d'acteurs sont en fait deux types d'acteurs qui ne provoquent pas l'identification. Vous voyez, c'est très difficile de s'identifier à un type comme ça, qui a un visage extrêmement lisse, on ne sait jamais ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il éprouve, et c'est très difficile de s'identifier à un gars qui gesticule, qui fait des grimaces et tout. Donc, en fait, c'était voulu de ne pas déclencher l'identification. Et cette volonté d'aller contre les conventions, hein, qui est quelque chose qui fait partie de Kubrick, hein, parce que chaque fois qu'il l'utilisait, enfin, qu'il essayait de traiter un genre, il voulait le faire de manière complètement différente. Et ça, dans Shining, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très net. C'est-à-dire, le livre de Stephen King, hein, c'est quand même une histoire où il y a des fantômes, un hôtel hanté. Ça aurait pu être traité de manière extrêmement expressionniste, extrêmement gothique, avec un hôtel, vous voyez, avec des toiles d'araignée baignant dans la pénombre, avec des pannes d'électricité. Là, lui, au contraire, il montre un hôtel. Déjà, dès le début, vous avez le grand soleil, c'est en plein jour, il ouvre le film comme ça, sur quelque chose d'a priori pas inquiétant, mais en faisant commencer à naître quand même une inquiétude comme ça par la musique, par les angles de caméra. Mais il va contre les conventions, c'est-à-dire c'est pas le cliché de la maison qu'on voit dans les films de la Hammer, vous voyez, sur ce genre de truc. Parce que vous avez, il y a la même année, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un film qui est sorti aux États-Unis, un film de maison hantée, dans lequel on retrouve quasiment le schéma de Shining, parce que le schéma de Shining, c'est le schéma de plein de films où un type devient fou, et par exemple, il y a un film qui s'appelait, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui s'appelait Amity Ville, la maison du diable, qui est sorti en 1979, à l'époque où Kubrick tournait Shining. Et Amityville, qu'est-ce que c'est? C'est une famille qui arrive dans une maison où un meurtre affreux a eu lieu, où un type a tué toute sa famille, et progressivement, les occupants de la maison vont revivre sous l'influence des forces sataniques, ou en tout cas les forces maléfiques qui habitent la maison. Le père va devenir fou, va sortir une hache et va vouloir tuer sa famille. C'est en gros le scénario de Shining, à peu de choses près, sauf qu'on a un hôtel dans Shining, là c'est une maison. Donc quelque part, c'est assez marrant, mais la maison d'Amityville, alors là par contre, elle n'est pas du tout filmée comme l'hôtel de Shining. Là, vous voyez, là on a des couloirs qui sont tous éclairés. Vous n'avez pas d'endroit
où on est dans le noir, où, parce qu'a priori, c'est ça qui déclenche la frayeur au cinéma, dans les films habituels. Lui, au contraire, pour lui, l'horreur, c'est tout ce qui est en pleine lumière. Vous voyez, la neige, c'est le blanc, ça s'appelle The Shining, c'est ce qui brille. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Tout est allumé, tout est éclairé partout, et l'horreur, c'est de voir tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher quelque part. On est à découvert partout. Et ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas, dans la manière dont le film, en tout cas, a été perçu. C'est qu'au départ, les gens sont déstabilisés par ça. C'est-à-dire, ils se disent, mais en fait, cet hôtel, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Là, il y a de la lumière partout. Donc, c'est une manière de déstabiliser un peu le spectateur. Par contre, après, vous allez, si vous avez vu le film, vous vous souvenez de la manière de filmer l'intérieur de cet hôtel. Et donc, vous savez que pour Kubrick, il y avait toujours trois critères pour choisir un sujet. Il fallait d'abord que l'histoire lui plaise. Il fallait que cette histoire lui permette de pouvoir créer un espace, c'est-à-dire un décor. C'est-à-dire la création d'espace, de décor, c'était très important pour lui. Et enfin, il fallait qu'il puisse peut-être expérimenter une nouvelle technique pour filmer. Vous voyez, quand il avait fait l'Odyssée de l'espace, bon, forcément, il fallait filmer l'espace. Hein, et puis, il fallait trouver une manière de filmer des maquettes, tout ça, de manière qu'on n'avait jamais fait. Donc, il y avait une volonté comme ça de faire des effets spéciaux. Dans, en tout cas, Barry Lyndon, il y avait la volonté de filmer le XVIIIe siècle comme jamais on l'a filmé. Donc, l'espace à filmer ici, c'est carrément l'espace des tableaux de l'époque, hein, qu'il fallait filmer un peu comme on peignait, et avec un objectif qui permettait de filmer à la lumière des bougies. Et en tout cas pour Shining, là, il y a aussi l'idée de, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour lui, l'idée de construire cet hôtel, c'est-à-dire de faire un décor qui soit un personnage presque aussi important que les personnages principaux. Donc cet hôtel Overlook, hein, qui a été entièrement construit sur des studios, qui a réquisitionné quasiment tous les plateaux de tournage du studio d'Elstree, hein, en Grande-Bretagne. Kubrick habitait d'ailleurs juste à côté. Pendant pratiquement plus d'un an, il y a des films qui ont été obligés d'attendre. Hein. Il y avait Spielberg qui a attendu pour tourner Les Aventuriers de l'Arche perdue, que Kubrick ait terminé de tourner, hein, parce qu'il ne pouvait pas utiliser les plateaux tant que Kubrick n'avait pas fini. Il y a Warren Beatty qui tournait un film sur la Révolution russe qui s'appelle Reds, qui attendait aussi. Donc c'était quand même assez drôle de voir qu'il y a tous ces gens quand même extrêmement prestigieux qui étaient obligés d'être sur la touche comme ça que Kubrick ait terminé de filmer. Et comme le tournage a pris très longtemps... il y avait, je pense, vous voyez, quand Orson Welles parlait du train électrique, enfin, quand le cinéaste qui joue avec son train électrique, ben là, il y avait vraiment la volonté de créer son espace, son hôtel Overlook. Et quand on voit le film, on voit à quel point cette sensation, cet hôtel, on pourrait presque s'y diriger. Et vous allez voir, après, il y a un des si vous voyez Room 237 après, hein, une des parties du documentaire que moi je trouve tout à fait intéressante et tout à fait recevable, c'est de montrer à quel point en fait cet espace qui crée cet hôtel Overlook, quand vous voyez l'hôtel de l'extérieur, là c'est un hôtel réel, hein, qui s'appelle, donc je vous l'ai dit, le Timberline Lodge, mais quand vous voyez après la taille la taille des salons, des couloirs, on se dit c'est impossible que ces espaces-là aussi grands puissent rentrer dans cet hôtel qu'on a vu. Donc ça crée déjà un côté fantastique, un peu comme ça. On a presque l'impression aussi, quand vous voyez le film, que cet hôtel presque a une vie propre et presque s'agrandit, vous voyez, pendant la nuit, comme ça, pour vous voyez, comme, je ne sais pas si vous avez vu le film de Polanski, Le Locataire, là, où on voit la chambre du type qui devient fou, là, comme ça, qui commence à devenir de plus en plus grande. On a presque l'impression que c'est un espace qui a une vie propre, comme ça. Et ça, c'est créé vraiment par la mise en scène. Vous voyez, vous vous souvenez tous quand même de cette séquence célèbre où on voit le petit garçon au tout début, hein, du film, qui est sur son tricycle, hein, et qui parcourt tous les couloirs comme ça de l'Overlook. Ça, c'est un plan qui est réalisé en plan séquence avec cette fameuse caméra qu'il avait utilisée, qui s'appelait le Steadicam, hein, qui avait juste servi pour l'instant à filmer des plans, vous voyez, de personnages en train de courir ou en train de monter des escaliers sans qu'il y ait de heurts, comme Marathon Man, comme Rocky. Vous savez,
le fameux plan de Rocky de Sylvester Stallone qui monte les marches dans le premier Rocky et dans le deuxième d'ailleurs aussi, hein, qui monte les marches là, du musée de Philadelphie, ça a été tourné avec le Steadicam, hein, qui permettait justement d'avoir une fluidité. Mais Kubrick a décidé de tourner tout son film avec le Steadicam, ça c'est un côté jouet, hein, comme ça, et, mais donc ça en tout cas, ça permet d'imprimer la géographie d'un espace de manière qu'on ne pouvait pas faire avant ça, vous voyez, des plans séquences comme ça, aussi impressionnants au ras du parquet, avec en plus au son, vous savez, on entend les roues du tricycle sur le parquet, après sur le tapis, donc ça crée à l'oreille quand même quelque chose d'extrêmement obsédant et d'extrêmement efficace comme ça, parce qu'on vit vraiment la scène de manière très intense. Et donc, l'hôtel Overlook, c'est un personnage du film. Hein. C'est quelque chose qui, je pense, est vraiment... C'est pour ça que je pense que vous savez que Stephen King déteste le film pour une raison, c'est que dans son livre, l'hôtel explose, parce qu'il y a tout un truc dans le bouquin, pour ceux qui l'ont lu, hein, vous vous souvenez sûrement, au départ, on explique aux gardiens qu'il faut surveiller la chaudière, que c'est très... si on ne surveille pas la chaudière, il y a risque d'explosion. Bon, ben, bien sûr, après, quand il devient fou, il n'observe pas la chaudière et c'est pour ça que l'hôtel explose et brûle. Et Kubrick, en fait, dans son film, on oublie complètement la chaudière. Hein. Je crois qu'il y a une scène où on voit Shelley Duvall en train de l'inspecter, mais il n'y a pas du tout ce truc où l'hôtel va être détruit par les flammes parce que Kubrick pensait que ça ressemblait trop à quelque chose de convenu pour la destruction du lieu. Et donc, l'hôtel reste dans la neige figée. Et donc, Stephen King disait, moi, je suis plus quelqu'un de chaleureux parce que dans mon livre l'hôtel brûle et Kubrick est quelqu'un de froid parce que chez lui l'hôtel gèle. Oui. Donc on voit la différence entre les deux approches. Hein. Mais en tout cas, je pense aussi que Kubrick s'était pris vraiment d'affection hein, pour cet hôtel et ça, peut-être qu'il n'avait pas envie de le voir brûler. Et c'est drôle, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Dr. Sleep qui est sorti il y a quelques jours, hein, hier ou avant-hier hein, à Paris, qui est soi-disant la suite de Shining, qui est l'adaptation de la suite que Stephen King a écrite, qui est très mauvaise. Mais je ne vous dis pas, mais vous verrez à la fin du film, il y a quelque chose où on voit que Stephen King quand même règle ses comptes et permet de finalement imposer la fin qu'il aurait voulu dans Shining. Vous verrez ce qui se passe si vous allez le voir. Je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, c'est en tout cas quelque chose qu'on perçoit très nettement comme un règlement de compte. Alors après... Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce premier plan, hein, en tout cas d'ouverture, qui en tout cas installe une atmosphère et en tout cas aussi permet d'introduire aussi ce qui va être, à mon avis, je pense, un des grands thèmes du film. Vous avez un paysage en fait de western, hein, ça se passe dans l'ouest, le Colorado, l'hôtel se passe dans est installé dans le Colorado. Vous savez que c'est inspiré en fait, que Stephen King en 1973, hein, je crois, quand il a commencé à écrire Shining, il est vraiment allé avec sa famille, avec sa femme, dans un hôtel de Estes Park, qui est un parc naturel du Colorado. Et il y avait un hôtel dans lequel il a passé la nuit, qui a une réputation d'hôtel hanté. Et d'ailleurs, l'hôtel existe toujours. Vous pouvez même y faire des séjours. Ils ont fait tout un truc commercial autour de ça, maintenant, d'hôtel hanté. Mais en tout cas, il a passé une nuit dans la chambre 217. Hein, c'était là qu'il avait passé la nuit. Et il a commencé à écrire le roman là. Et d'ailleurs, c'est l'hôtel, vous savez qu'il a fait une mini-série après, parce qu'il était tellement malheureux, il était tellement pas satisfait du film de Kubrick, qu'il a produit après pour la télévision une mini-série en trois parties qui est alors extrêmement fidèle à son film, mais qui, je trouve, moi, est épouvantable. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a été tourné dans ce fameux hôtel qui, par une coïncidence assez marrante, s'appelle The Stanley Hotel. Vous voyez, hein, c'est quand même marrant. Je vous dis ça, c'est quand même assez frappant parce qu'il y a des coïncidences. Et c'est pourquoi les gens se livrent aussi à des interprétations délirantes. C'est que dans la carrière de Kubrick et dans ses films, il y a des fois des choses de l'ordre de la synchronicité ou de la coïncidence qui peuvent encourager ça, mais qui sont purement des coïncidences. Par exemple, là, dans Shining, il l'avait dit à Michel Simon hein, au cours d'une interview à l'époque, vous avez quand même Jack Nicholson qui est joué par... Jack Torrance qui est joué par un acteur qui s'appelle Jack Nicholson, donc qui a le même prénom. Vous avez le petit garçon Danny Torrance qui est joué par un gamin qui s'appelle Danny Lloyd. Vous avez Lloyd, c'est le nom du barman dans Shining. Vous avez plein de coïncidences, le Stanley Hotel, vous voyez quand même, ça c'est pas des choses qui ont été décidées par Kubrick, c'est de l'ordre de la coïncidence, c'est presque comme des signes, hein, on a l'impression presque déjà d'être dans le film.
Et par contre, bon, ce que je vous expliquais sur Volo Tsunami de Coucou, là, par contre, moi, vous savez que dans Volo Tsunami de Coucou, là, je fais juste une parenthèse pour revenir là-dessus, vous savez que dans Volo Tsunami de Coucou, il y a le personnage de l'acteur qui joue le cuisinier black du Shining, hein, Scatman Crothers. Il joue un rôle dans Volo Tsunami de Coucou, il joue un veilleur de nuit de l'asile qui fait rentrer des filles à un moment, quand Nicholson veut faire la bringue, il fait rentrer des filles, et le type, en gros, boit de l'alcool avec eux, et c'est Scatman Crothers. Et donc, c'est quand même assez curieux hein, de voir les correspondances. Mais là, c'est des correspondances sûrement qui ont été voulues par Kubrick. Hein. Alors, pour finir, le personnage de Scatman Crothers dans Volo Tsunami de Coucou s'appelle Turkel. Et Turkel, Joe Turkel, c'est le type qui joue le barman dans Shining. Donc, vous voyez, si on veut aller dans ce sens-là, c'est très facile parce qu'il y a des coïncidences, des fois, frappantes. Dans Eyes Wide Shut, il y en a encore des bien plus grandes. Par exemple, le fait que Tom Cruise faisait partie de la Scientologie. Pendant le tournage du film, la fille de Kubrick a rejoint la Scientologie et ça n'a absolument rien à voir avec Tom Cruise. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre presque de quelque chose un petit peu bizarre. Hein, mais ça arrivait souvent chez lui, quoi. Comme ça pouvait arriver dans la vie de quelqu'un comme Roman Polanski. Vous voyez, des fois, il y a des metteurs en scène qui vivent les choses qu'ils filment. C'est-à-dire, vous voyez, Polanski, qui d'ailleurs, vous savez, très peu de gens le savent, mais Polanski est le premier metteur en scène à qui les producteurs ont envoyé le livre Shining. Je pense que c'était à cause de Rosemary's Baby. Mais à l'époque, Polanski, bon, comme vous le saviez, en 1977, il était pris dans son histoire de détournement de mineurs. Donc, bien sûr, il n'a pas pu se consacrer à ça. Mais en tout cas, dans la vie de Polanski, il y a des choses. Vous voyez, Rosemary's Baby, il fait un film sur une fille qui est dans une secte satanique enceinte. L'année d'après, son épouse, Sharon Tate, est assassinée par des types qui sont dans une secte satanique alors qu'elle est enceinte. Il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la coïncidence extrêmement troublante. Et, ou Ghostwriter, par exemple, où il filme un type qui est assiégé dans sa maison par des journalistes avec des pancartes qui lui disent criminel, machin. Et l'année d'après, lui, il se retrouve dans son chalet avec des gens qui manifestent devant ses fenêtres avec des pancartes en disant violeur. Vous voyez, c'est assez curieux quand même de voir ce type de coïncidence. Et chez Kubrick, il y en a beaucoup. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc maintenant, on va peut-être lancer le deuxième extrait, qui en fait montre, et là je vais parler d'un thème qui pour moi est un thème capital de Shining, hein. C'est la première fois qu'on voit le personnage de Danny dialoguer avec son double qui s'appelle Tony, vous voyez, qui est comment Danny en fait, quand il vous savez qu'il a donc ce don qui s'appelle le Shining. Ça se traduit par des images comme ça, qu'il est capable de voir des images du passé ou de voir des images du futur. Et en même temps, il dialogue avec son double, qui est un petit personnage qui vit au fond de sa gorge, hein, qui s'appelle Tony. Et il est un petit peu comme la fille de l'exorciste. Hein, il change de voix à ce moment. Et il parle comme ça avec un index, comme s'il dialoguait avec son index. Donc, je vais vous montrer la première scène qui établit ça avec le fameux plan iconique, vous savez, de l'ascenseur avec le sang qui sort. Donc, extrait numéro 2. Tony, do you think Dad'll get the job? He already did. He's gonna phone Wendy up in a few minutes to tell her. Hi, babe. Hi, hon. How's it going? Great. Look, I'm at the hotel and I still have an awful lot to go through. I don't think I could get home before 9 or 10. Sounds like you got the job? Right. It's a beautiful place. You and Danny are gonna love it. Tony, why don't you wanna go to the hotel? I don't know. You do too, no. Now come on, tell me. Don't want to. Voilà, donc vous avez vu ici la première manifestation du Shining chez Danny, en tout cas dans le film.
avec cette fameuse vision qui symbolise un petit peu les horreurs à venir, en tout cas la prescience qu'il a comme ça de ce qui les attend dans cet endroit. Et cette image comme ça du sang qui sort de l'ascenseur est vraiment une des plus célèbres du cinéma fantastique, même du cinéma tout court. Vous savez que c'était en fait la bande-annonce du film, c'est-à-dire que c'était uniquement ce plan-là. C'est-à-dire on voyait juste le sang sortir de l'ascenseur, il y avait marqué The Shining, 22 mai 1980, c'est tout, avec une musique un petit peu stressante. Donc il avait quand même conscience, vous savez qu'il a mis, je ne sais pas combien, ça a pratiquement pris un an pour filmer ce plan-là. Il a recommencé, je ne sais pas combien de fois. Ils l'ont fait pour de vrai, c'est pas une maquette. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas de CGI, d'effets spéciaux par ordinateur, donc ils ont vraiment été obligés de trouver un moyen d'injecter des litres de sang, enfin de peinture rouge comme ça, qui sortait de l'ascenseur. Alors des fois, il n'était pas très satisfait de la couleur du sang. Ils ont recommencé un an incalculable de fois, parce que vous savez que Kubrick était connu pour faire un nombre de prises démesuré. Et sur ce film-là, en tout cas, il est allé extrêmement loin, puisque je crois qu'il a fait 143 prises d'un plan avec le cuisinier Scatman Crothers, un plan tout bête du type qui descend du chasse-neige pour rentrer dans l'hôtel. Ils l'ont fait 143 fois. Donc ça commence, la folie était presque. Mais lui, il avait besoin de ça, c'est très curieux. Vous savez qu'il a tourné Eyes Wide Shut pendant 2 ans à peu près. C'est des films, a priori, on se dit, il n'y a pas besoin de 2 ans pour faire ça. Bah, lui, il avait besoin de passer par là. Je pense qu'il y avait une volonté aussi de casser les acteurs, c'est-à-dire de les épuiser. Quand on parle il avait, vous savez qu'il a vraiment été très loin avec l'actrice Shelley Duvall, qu'il a poussé quasiment, aujourd'hui ça passerait plus, il serait quasiment accusé de presque harcèlement moral. Il l'a poussé vraiment au bord de la dépression nerveuse, en lui faisant recommencer des scènes à n'en plus finir et en la victimisant. Ça se voit d'ailleurs si certains d'entre vous ont vu le documentaire que la fille de Kubrick, Vivian, a fait sur le tournage de Shining, qui s'appelle Making the Shining. On le voit vraiment s'en prendre à Shelley Duvall de manière extrêmement véhémente, et ça a été en tout cas un tournage extrêmement dur pour elle. Là aussi, on voit dans cet extrait que je vous ai montré, vous voyez le personnage de Shelley Duvall qui est avec un tablier rouge, enfin qui a un ensemble rouge et bleu. Alors, vous allez voir, ces deux couleurs, le rouge et le bleu, sont des couleurs qui sont vraiment très importantes dans Shining, qui étaient souvent des couleurs très importantes chez Kubrick. Alors, on peut les interpréter de plein de manières différentes, mais vous allez voir le rouge et le bleu qui vont revenir dans le film de manière très prononcée, et surtout le rouge. Shining est vraiment un film qui fait une grande, grande part à la couleur rouge. Et c'est dès le départ, quand vous voyez le film se passe au Colorado, vous savez, le Colorado, ça veut dire la couleur rouge en espagnol. Donc, parce que c'était un état des États-Unis où la terre était un peu rouge comme ça. Donc là, il y a déjà dans le décor géographique, la couleur rouge est déjà là. Et ça va aller, vous voyez, plus le film va aller vers la fin, plus dans l'intérieur de l'hôtel, vous allez voir cette couleur rouge presque envahir de plus en plus l'espace, puisque ça va aller. Vous savez qu'il y a une scène célèbre, j'ai pas pu la mettre là parce que la scène est très longue, c'est quand Nicholson rencontre l'ancien gardien, enfin maître d'hôtel de l'Overlook, Grady. Ils sont dans des toilettes entièrement rouges. Et ça crée une atmosphère un petit peu comme ça, extrêmement effrayante, flippante. Mais la couleur rouge et la couleur bleue que Shelley Duvall porte là, on peut aussi les rapprocher, vous voyez, des couleurs du drapeau américain, c'est-à-dire que même Danny porte du rouge et du bleu aussi, parce qu'on peut faire une lecture quand même, forcément, là, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, mais c'est quand même une des interprétations, moi, je pense, les plus recevables et les plus pertinentes sur Shining, c'est de dire qu'à travers cette famille et des traumas que cette famille va rencontrer, il y a une volonté aussi de parler de l'Amérique, c'est-à-dire qu'on avait reproché à Kubrick de s'être éloigné un petit peu de l'Amérique en traitant Barry Lyndon. Et vous savez que c'était un cinéaste qui était parti d'Amérique quand il était allé tourner Lolita en Angleterre. Il s'est tellement, en 1962, il s'est tellement plu en Angleterre qu'il n'a jamais voulu revenir. Et il se méfiait beaucoup de la violence qu'il y avait à l'époque en Amérique, après les assassinats de Kennedy, tout ça. Donc il avait préféré vivre en Angleterre parce qu'aussi, il y avait des studios anglais avec du bon matériel et des bons techniciens. Mais en tout cas, on lui avait reproché, en tout cas pour le public américain, de pas assez s'intéresser à ce qui intéressait les Américains. Donc c'est pour ça aussi, quand il a fait Shining, c'était une volonté aussi de traiter d'une histoire américaine et de traiter de l'Amérique indirectement. Alors quand je vous parle de double narration, c'est que là, on peut très clairement poser que ce film parle quand même un peu aussi, met en perspective les traumas d'une famille et les traumas d'un pays.
C'est-à-dire que vous avez cet hôtel Overlook qui représente un petit peu l'Amérique. Vous avez les traumas que le fils subit de son père. En fait, le personnage de Jack Nicholson, il y a plusieurs moments dans le film qu'il souligne, c'est en gros l'homme blanc conquérant qui est le symbole du type qui a fait la conquête de l'Ouest. Hein. Et vous voyez, c'est quand même un film qui se passe dans un décor de western. Et vous avez, quand le directeur de l'hôtel, qui s'appelle Ullman, fait la visite guidée au début, ils vont expliquer, et ça, c'est pas dans le roman de Stephen King, donc c'est pour ça que c'est très pertinent, c'est il dit que l'hôtel est construit sur un ancien cimetière indien. Vous voyez, quoi. Donc, et vous avez voir l'intérieur de l'hôtel, dans les salons, il y a énormément de décorations indiennes. Je vais vous montrer un extrait après qui le pose très bien. Et alors après, je vais envoyer un troisième extrait, mais juste un mot, parce que là, l'extrait numéro 3 en fait est en lien avec l'extrait numéro 2 par rapport à Danny et le Shining. Alors, donc le troisième extrait va être un extrait qui ne figure pas dans la version française, hein, qui est uniquement un extrait qui est dans la version 2h23 américaine. Donc peut-être que pour certains, ça va être une découverte. En tout cas, c'est là qu'on explique quand est-ce qu'est apparu le Shining. Et c'est assez curieux que Kubrick ait coupé cette scène. Moi, je pense qu'il a eu tort. Je pense que la version courte est trop courte et je pense que la version longue est trop longue, mais qu'il y avait sûrement un compromis entre les deux versions qui aurait inclus cette scène que vous allez voir là, qui, en gros, montre qui suit juste l'extrait que vous venez de voir, là, avec le sang, juste après la vision du sang, hein, que Danny a. Il tombe dans les pommes et il y a une femme, une docteur, qui vient pour le sculpter et qui, après, va parler avec sa mère au salon. Et c'est là qu'elle lui pose des questions sur ce petit personnage à qui il parle, ses troubles. Rien n'est vraiment nommé. Hein. On dit les troubles. D'où ça vient? Depuis combien de temps il a ça? Donc, envoyez extrait numéro 3. On en reparle après. Mrs. Torrance, I don't think you have anything to worry about. I'm quite sure there's nothing physically wrong with Danny. Yeah? Oh. Yeah, he seems absolutely fine now, but you should have seen him. I know. Kids can scare you to death, but believe me, these episodes are not at all uncommon, and they look much worse than they are. But what was the matter with him? Mrs. Torrance, most of the time these episodes with kids are never explained. They're brought on by emotional factors, and they rarely occur again. They're more akin to auto-hypnosis, a kind of self-induced trance. If it reoccurs, which I doubt, we can always think about having some tests done. No, thank you. Oh, I'm sure you're right. Have you been in Boulder long, Mrs. Torrance? Only about 3 months. We're from Vermont. My husband was teaching school there. Did the appearance of Danny's imaginary friend, Tony. Did Tony's first appearance happen to coincide with your arrival here? No. Let's see. I guess Danny started talking to Tony about the time we put him in nursery school. Did he adjust well to school? No. He didn't like it too much at first. And then he had an injury, so we kept him out for a while. And yeah. I guess that's about the time when I first noticed that he was talking to Tony. What sort of injury did he have? He dislocated his shoulder. How did he manage to do that? Well, it was just one of those things, you know, purely an accident. My husband had been drinking, and he came home about 3 hours late, so he wasn't exactly in the greatest mood that night. And, well, Danny had scattered some of his school papers all over the room, and my husband grabbed his arm, you know, to pull him away from him. It's just the sort of thing you do 100 times with a child, you know, in the park or in the streets. But on this particular occasion, my husband just used too much strength, and he injured Danny's arm. Anyway, something good did come out of it all, because he said, Wendy, I'm never going to touch another drop. And if I do, you can leave me. And he didn't,
Voilà, donc moi je pense que c'est une scène qui était importante parce que elle, vous allez voir, ça va être encore plus clair avec un extrait après, c'est que c'est quelque chose qui pose un des thèmes, en tout cas caché, de ce film, qui est le thème de l'abus sur les enfants. C'est-à-dire que le personnage de Danny est un personnage d'enfant abusé, en tout cas violenté par son père, c'est clairement dit ici. Et c'est quand même curieux qu'il ait enlevé ça, puisque le seul truc après qui reste, c'est quand une scène plus tard dans le film où Jack, en parlant au barman fantomatique, fait allusion à cet accident où il avait déboîté l'épaule de son fils. Mais là, en tout cas, c'est une scène qui pose clairement le rapport qu'il existe entre ce double que s'est construit l'enfant pour se protéger en fait des violences paternelles, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma de Kubrick, la victimisation des enfants, l'utilisation d'enfants traumatisés par la violence des adultes. Vous le retrouvez dans la pédophilie, c'est quelque chose qui apparaît dès Lolita, où vous voyez Peter Sellers, qui est un type qui recrute des jeunes filles pour un cercle qui doit alimenter un cercle pédophile, le personnage de Quilty. Vous avez ça dans Orange Mécanique, puisque vous savez que normalement le personnage d'Alex a 16 ans, il était beaucoup plus vieux, Malcolm McDowell, mais vous voyez dans une scène d'Orange Mécanique, quand Alex se réveille, on voit que les parents ont laissé rentrer son précepteur et il s'assoit sur le lit et il lui met carrément la main sur la braguette. On voit qu'il y a une volonté quand même d'avoir une atteinte sexuelle. Vous avez dans Barry Lyndon des violences que vraiment le personnage de Barry, il administre de sévères corrections au jeune Lord Bullingdon. Dans Shining, vous avez quand même un enfant battu aussi, donc là on en parle. Dans Full Metal Jacket, vous avez la jeune sniper qui a 15 ans, qui est visiblement une gamine qui a été endoctrinée. Les jeunes soldats de Full Metal Jacket qui ont été brainwashed comme ça par un dressage extrêmement qui tient presque du lavage de cerveau. Donc vous avez souvent des personnages d'enfants prostitués, victimisés, la fille du loueur de costumes de Eyes Wide Shut, vous voyez, donc c'est quelque chose qui devait le travailler et qui travaille aussi Stephen King, parce que c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans ses films, et notamment dans Doctor Sleep aussi, si vous le voyez. Donc en fait, déjà, je pense que cette idée d'avoir un personnage qui se dédouble à cause d'un trauma, ça c'est quelque chose qui est posé ici de manière très claire. Et le Shining, c'est ça. Et vous allez voir après qu'il y a une scène qu'on va lancer dans l'arrivée à l'hôtel Overlook, quand il voit les jumelles, je vous expliquerai en gros comment ça c'est une perpétuation de cette idée-là. Donc, envoyez l'extrait numéro 4. What time is the plane leave? 8:30. Well, that still gives us plenty of time to go over everything first. Bye, Mr. Altman. Bye. Good morning, Jeff. Hope you haven't been waiting too long. No problem. In fact, we had time to grab a bite to eat. Good. Glad you made it before they shut down the kitchen. Is your family having a look around? No, my son's discovered the games room. Oh. Has your luggage been brought in? Right there. Oh, fine. Well, in view of all the ground we have to cover today, I suggest we go have a quick look at your apartment and then get started straight away. Bill, would you have the Torrances' things brought to their apartments? Fine. I better collect my family first. Oh. This is our Colorado lounge. Oh, it's beautiful. My God. This place is fantastic, isn't it, hon? Sure is. God, I've never seen anything like this before. Are all these Indian designs authentic? Yeah, I believe they're based mainly on Navajo and Apache motifs. Oh, well, they're really gorgeous. As a matter of fact, this is probably the most gorgeous hotel I've ever seen. Oh, this whole place has had an illustrious past. In its heyday, it was one of the stopping places for the jet set, even before anybody knew what a jet set was. We had four presidents who stayed here. Lots of movie stars. Royalty? All the best people.
Voilà, donc pourquoi c'est intéressant là, de voir donc, cette scène qui correspond à l'arrivée de la famille Torrance à l'Overlook. Quand on voit en tout cas les deux jumelles, quand Danny donc, voit les fantômes des deux jumelles qui sont les filles de l'occupant, du gardien précédent, hein, qui ont été massacrées par... qu'il a massacré aussi à la hache. Il y a quelque chose de très étonnant, en tout cas, qui sont aussi donc deux gamines qui ont été victimisées. Hein. Il y a quelque chose de très étonnant là. Vous avez peut-être pas remarqué, mais dans l'image des deux jumelles dans le salon, dans le point de vue de Danny, vous avez une affiche qui est au-dessus, qui est une affiche où on voit un skieur en nombre à contre-jour comme ça, et il y a le mot monarque qui s'appelle, qui est orthographié M-O-N-A-R-C-H sur cette affiche, au-dessus des deux jumelles, hein, et ça pose vraiment problème. Vous allez voir dans Room 237, ils ont toute une théorie autour de cette affiche que moi je partage pas du tout. J'en ai une autre. Vous savez que Monarch normalement c'est une station de ski du Colorado, hein, donc a priori il y a rien d'inhabituel de voir Monarch avec un skieur. Mais Monarch, vous savez que Kubrick s'intéressait au lavage de cerveau, au point de rupture de la personnalité, aux techniques de torture des nazis dans les camps de concentration, et il avait vraiment un gros intérêt pour un traitement qui avait été employé par la CIA dans les années 50, qui s'appelait MK Ultra, dont une des variantes s'appelait Monarch justement, et qui était en gros quelque chose qui venait des camps de concentration nazis où il y avait des expériences sur les jumeaux pour étudier les points de rupture de la personnalité, comment on pouvait créer des personnalités multiples en torturant quelqu'un, en le traumatisant. Et là, vous avez quand même quelque chose où on voit deux jumelles avec le mot monarque au-dessus, et c'est en gros ce qu'on fait à Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, hein. Vous voyez, c'est une sorte de traitement comme ça, extrêmement agressif, comme ça, pour provoquer des troubles de la personnalité. Et donc là, vous avez quand même le gamin, Danny, qui voit les gamines qui étaient là avant lui, et qui, avec l'affiche monarque, pour moi, ça renforce ce thème comme ça de la victimisation des enfants, et que ce qui est un des thèmes cachés, je pense, de Shining. Autre aspect intéressant de cet extrait, donc on voit l'arrivée dans l'hôtel Overlook. Vous savez que pour moi, l'hôtel Overlook est aussi une manière pour Kubrick de parler de l'élite. C'est-à-dire qu'il a beaucoup fait des films comme ça sur des personnages qui arrivaient dans des endroits où il y avait des gens extrêmement importants, des aristocrates, des milliardaires, et où le personnage essayait de s'intégrer et n'y arrivait pas. Barry Lyndon raconte ça, hein. C'est l'histoire d'un type qui veut pénétrer une société comme ça aristocratique en essayant de s'acheter un titre, il n'y arrive pas, il est rejeté. Par exemple, là, c'est en gros un hôtel, on vous explique, où descendent all the best people, c'est-à-dire tous les gens qui sont en photo sur les murs de l'Overlook, c'est des milliardaires, des présidents des États-Unis, donc c'est l'endroit, en fait, de l'élite. Et c'est ça, c'est une lecture aussi intéressante de Shining, c'est-à-dire que tous les gens qui ont construit l'Overlook, en fait, c'est l'Amérique des puissants, des Rockefeller, vous voyez, des gens comme ça. Et quand vous voyez Eyes Wide Shut, vous voyez le personnage de Sidney Pollack qui représente une sorte de Donald Trump ou de Jeffrey Epstein. Vous voyez que c'est les très grandes fortunes. Il avait une très grande méfiance des gens qui avaient du pouvoir et qui étaient des multimilliardaires. Et ça, c'est ici, c'est aussi vraiment apparent dans l'Overlook, hein, puisque en fait, on peut se dire que tous les habitants de l'Overlook représentent un petit peu cette espèce de mauvaise conscience de l'Amérique, des gens extrêmement puissants qui ont bâti une nation sur du sang. Mais vous avez aussi, dans la structure de l'hôtel Overlook, vous avez remarqué que les toits de l'hôtel sont un peu de forme pyramidale, un peu triangulaire. Vous savez que le triangle, chez Kubrick, c'est une figure géométrique extrêmement obsédante, qui revient souvent. C'est-à-dire, vous savez qu'au départ, le monolithe de 2001 aurait dû être une pyramide, l'intérieur de la scène de guerre de Dr. Fallamore aurait dû être une pyramide. Vous savez que l'affiche d'Orange Mécanique, il y a un triangle avec un œil au-dessus. Il était obsédé par cette espèce d'image qu'on voit sur le billet de 1$, hein, de la pyramide avec l'œil, comme ça, qui est un peu un symbole maçonnique. Et en fait, ça représente aussi pour lui une sorte de symbole comme ça, d'une sorte d'élite. Alors après, je vous dis, vous regardez sur YouTube, vous allez trouver des délires sur des Illuminati, des choses comme ça. Je pense que ça va pas jusque là, mais il avait comme ça, de manière symbolique, à travers le triangle. Pourquoi le triangle est important chez lui? C'est parce que pour lui, c'est une figure géométrique qui n'existe pas dans la nature. Ça veut juste dire que derrière, il y a une intelligence et donc une présence comme ça qui surveille. Vous voyez, même les sapins triangulaires renforcent ça. Et vous avez Eyes Wide Shut, qui fait un usage des sapins de Noël, vous voyez, qui sont aussi de forme triangulaire et que Tom Cruise rencontre tout au long de son Odyssée nocturne, comme ça, qui sont un peu, pour moi, une sorte de symbole comme ça, de cette société secrète à laquelle appartient Sidney Pollack, qui le contrôle comme ça. Donc là, vous avez déjà, et même vous voyez dans le plan d'ouverture, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous voyez, il y a un escabeau
y a un type qui passe la serpillière, et on voit un escabeau entre deux colonnes. Et donc, c'est ce fameux signe, vous voyez, ésotérique, du triangle entre les deux colonnes, qu'on retrouve dans l'ouverture d'Eyes Wide Shut, quand Nicole Kidman se déshabille, elle est entre deux colonnes devant un store de forme pyramidale, comme ça. Donc, ça paraît peut-être un peu délirant, mais je vous engage quand même à regarder. C'est des figures obsédantes qui reviennent de film en film, comme ça, et ça ne peut pas être des coïncidences. Enfin, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui fait partie d'une tapisserie visuelle extrêmement élaborée. Donc là, comme je suis un petit peu en retard, je vais un peu accélérer, je vais envoyer en fait l'extrait 5 et l'extrait 6 l'un à la suite de l'autre, parce qu'en fait ils sont liés et c'est une interprétation là, donc, pour moi d'un vrai sens caché de Shining. Extrait 5 et 6. How's it going, Dad? Okay. Having a good time? Yes, Dad. Good. I want you to have a good time. I am, Dad. Dad? Do you feel bad? No. Just a little bit tired. Then why don't you go to sleep? I can't. I got too much to do. Dad? Do you like this hotel? Yeah. I do. I love it. Don't you? I guess so. Good. I want you to like it here. I wish we could stay here forever and ever and ever. Dad? What? You would never hurt Mommy and me, would you? Say that to you? That I would hurt you? No, Dad. You sure? Yes, Dad. I love you, Danny. I love you more than anything else in the whole world. I'll never do anything to hurt you. Never. You know that, don't you?
Huh? Yes, Dad. Airports are shut down, stranding thousands of passengers. Highways are blocked by snowdrifts. Railroad tracks are frozen. Officials in Colorado tell Newswatch at least three people have been killed by exposure to freezing winds. The governor of Colorado is expected tomorrow to declare a weather emergency. The National Guard might be called out to clear streets and roads. Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow, with temperatures dropping well below zero. Back here in South Florida, we've got just the opposite problem. The heat and humidity are supposed to climb. Local beaches should be jammed. Our weather expert, Walter Gronice, will have the local forecast later on Newswatch. The Miami City Commission today thank you.
Voilà, donc pourquoi je vous ai montré ces deux extraits l'un à la suite de l'autre, je vais vous expliquer, c'est parce que pour moi c'est la même scène deux fois. C'est là où en fait moi je pense qu'il y a, chez Kubrick en tout cas, vous savez qu'il avait construit le scénario en lisant beaucoup, enfin en ayant beaucoup recours à un livre de Bruno Bettelheim qui s'appelle The Uses of Enchantment, Psychanalyse des contes de fées hein, en français ça s'appelle. Donc je vous explique en gros comment, pour moi, ces deux scènes capitales du film qui disent la vraie horreur de Shining, mais elle n'est pas forcément là où on croit. Vous avez dans la première partie, donc quand l'enfant vient voir son père dans la chambre, si vous regardez bien la topographie des lieux, c'est très important, vous allez voir que dans la chambre des Torrance, il y a un rideau, vous voyez, qui sépare la chambre où il y a le lit avec l'entrée, le vestibule. Donc vous voyez Danny rentrer, ouvrir une porte, voir son père qui est sur le lit. On voit que l'enfant visiblement est en demande de tendresse parce que son père ne lui parle pas. Et d'ailleurs, vous remarquez que dans le découpage du film, Kubrick filme très très rarement Danny et Jack dans le même plan. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de scènes, je crois qu'il y en a trois en tout cas, où ils sont filmés tous les deux dans le même plan. Sinon, il est toujours avec sa mère, ou alors c'est des champs contre champs, mais il ne les réunit jamais. C'est pour montrer à quel point le père et le fils sont loin. Vous voyez, le père, c'est l'histoire d'Indiana Johnson, disait que c'était l'histoire d'un père qui détestait son fils. Et pourquoi il le déteste, son fils ? Parce que lui est un écrivain qui n'arrive pas à créer, et son fils est un enfant qui arrive à créer des images, vous voyez, comme ça. Donc il y a presque symboliquement une espèce de virilité. Le fils est capable de faire des choses que le père ne peut pas faire. Bon, et sinon, là, vous voyez en gros un enfant en demande d'amour qui arrive dans un endroit comme ça, dans la chambre où son père déprime. Vous allez voir la topographie, le lit de Jack est en face d'un miroir. Donc vous voyez l'enfant qui arrive, qui vient s'asseoir à côté de son père parce qu'il est en demande d'amour. Ils ont une discussion et à la fin, Kubrick coupe, c'est-à-dire met un écran noir avant qu'on voit la fin de la scène, c'est-à-dire on ne voit pas Danny repartir et tout. Et pour moi, Jack attaque son fils à ce moment-là parce que vous savez qu'après, la mère va trouver l'enfant avec des marques sur le cou et l'enfant va dire qu'il y a une femme dans la chambre de 137 qui l'a agressé. Et c'est pour ça qu'après, Jack est censé aller dans la chambre de 137 voir ce qui se passe. En fait, si vous regardez bien comment le film est construit, quand vous voyez après la deuxième partie, là, donc quand vous voyez en fait, la scène de la chambre de 137, de Jack rentrant dans la chambre, rencontrant cette femme qui va se transformer en cadavre comme ça, si vous regardez bien comment c'est fait, vous voyez d'abord qu'il y a le personnage d'Aloran qui se trouve qui a le Shining, donc aussi, hein, si vous avez vu le film, c'est un cuisinier qui a le même don que Danny. Donc il est en train de regarder la télé quand tout d'un coup, il reçoit une image mentale de l'enfant. Et une image qui montre une détresse. C'est-à-dire, en fait, cette image, c'est Danny qui l'envoie. Donc, c'est-à-dire que c'est Danny qui la voit. C'est-à-dire qu'il envoie l'image de son père. Vous voyez le point de vue subjectif de Jack. On voit la main qui pousse la porte de la salle de bain. C'est en fait Danny qui le voit. Et pour moi, ça n'est pas quelque chose qui se passe dans la chambre de 137. C'est une image que Danny a rêvée. On voit qu'il est en transe, hein, comme ça. Et qui est en fait quelque chose qui masque en même temps qu'il illustre l'agression dont il a été victime. Vous voyez, si vous regardez bien la topographie de la chambre de 137, elle ressemble à la topographie de l'appartement des Torrance. Vous voyez que la baignoire a un rideau aussi, comme ça. Et vous avez en gros un personnage, Jack, qui est en gros, qui arrive, on voit qu'il n'a plus de rapport avec sa femme, il a sûrement une envie de sexe, il voit tout d'un coup quelqu'un qui ressemble à ce dont il a envie, il voit une très belle femme comme ça qui sort de... Il va vers cette femme en quête de sexe, il l'embrasse et tout d'un coup dans le miroir, il voit quelque chose ça s'est transformé en quelque chose de dégoûtant, vous voyez, d'horrible, et on voit cette femme qui le poursuit et tout. Et pour moi, c'est vraiment l'image que Danny a faite, vous voyez, quand il dit j'ai été agressé par une femme dans la chambre 237, parce qu'il a le Shining. Il sait qu'il y a une femme qui est morte dans cette chambre, mais en gros, c'est pour ne pas dire à sa mère
qu'il a été agressé par son père. Et ça, il le recompose, comme souvent les enfants font, vous savez, quand ils ne veulent pas avouer quelque chose, il l'enrobe dans un mensonge. Et lui, en fait, cette image mentale qu'il envoie à Lorane, pour moi, elle est une image qui est inspirée par l'agression que Jack lui a fait subir dans la chambre, vous voyez, puisque, en gros, il a vu l'agression dans le miroir aussi, vous voyez, c'est très important. Donc, il y a une rime, et après, surtout, quand vous voyez Jack revenir dans la chambre où je l'attends chez les Duval, hein, après, il dit « j'ai rien vu dans la chambre 237 ». Donc en fait, c'est purement une image mentale qui est en fait une image qui illustre en même temps qu'elle cache le vrai trauma, c'est-à-dire que le père s'est attaqué à son fils, quoi. Et donc ça, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le roman de Stephen King. Dans le roman de Stephen King, l'enfant rentre dans la chambre 237, il est agressé par, on voit vraiment la femme qui sort de la... Tout ça, ça n'est pas dans le film de Kubrick. Dans le film de Kubrick, vous voyez que c'est une image mentale que l'enfant envoie à son père, comme s'il voyait Jack dans la chambre, mais pour moi, en tout cas, c'est une simple recomposition de l'agression dont il a été victime. Et dans Eyes Wide Shut, vous avez, il va plus loin dans ce genre de structure, hein, puisque vous pouvez voir que dans la grande soirée chez Sidney Pollack au départ, hein, vous pouvez voir après, pendant le milieu du film, dans la fameuse orgie dans le château, vous pouvez voir que sur le plan de la topographie, il y a des choses qui rappellent là, comme si en gros l'orgie était une composition mentale de ce qu'on avait vu chez Sidney Pollack en dévoilant en fait le cachet, quoi, et ces deux scènes qui sont jumelles, vous voyez, et on peut les mettre en parallèle comme j'ai mis ces deux-là en parallèle, et c'est très frappant de voir à quel point l'une a l'air en gros de recomposer en fait ce qu'on a déjà vu, mais en faisant entrer le fantasme, en faisant entrer l'horreur. Et donc ça, pour moi, c'est une des scènes, cette scène de la salle de bain, et on peut en plus voir qu'il y a une obsession chez Kubrick pour les salles de bain, pour les toilettes. Là, on voit, quand il rentre dans la chambre pour aller voir son père, on voit quand même la porte est ouverte, on voit les toilettes, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que pour Kubrick, les toilettes, c'est l'endroit en gros où on expose son intimité. C'est l'endroit où, dans beaucoup de ces films, en tout cas, il y a des meurtres, il y a des choses horribles qui se passent. Vous vous rappelez de Full Metal Jacket, quand le soldat baleine se fait éclater la cervelle, c'est sur des toilettes. Dans Shining, il y a les toilettes rouges, après, quand le majordome lui dit de tuer sa famille, ça se passe dans des toilettes. Donc il y a vraiment une espèce de... Dans Lolita, on voit aussi James Mason dans une baignoire. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des toilettes ou des salles de bain dans les films de Kubrick, et des scènes clés, quoi. Et là, donc, on peut voir aussi un écho, hein, quand je vous parlais de Volutine Annie Coucou, là, je pense qu'il convoque aussi à la fois, quand on parle de douche, de salle de bain, de femme, il y a forcément Psychose, là, c'est pas une douche, c'est une salle de bain, mais il y a aussi les Diaboliques de Clouseau, vous voyez, quand il y a cette femme qui se lève comme ça dans la baignoire, on pense à Paul Meurice. Et si vous avez vu les Diaboliques, vous vous souvenez que Vera Clouseau, à la fin, voit une machine à écrire avec un nom qui est tapé à l'infini, et il y a un peu une scène du même type dans Shining, quand Shelley Duvall arrive et voit une machine à écrire avec la même phrase tapée à l'infini. Donc vous voyez ici comment, en fait, quand je parlais de double narration, ici il y a vraiment clairement un sens caché et quelque chose qui a été dit, mais de manière vraiment, là on sent l'influence de Bettelheim, on sent l'influence de Freud, c'est quelque chose que les spectateurs prennent pour argent comptant, ils se disent, oh là, il y a Jack Nicholson qui voit une horrible bonne femme dans la baignoire, alors que pour moi, franchement, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que Jack, elle est dans cette chambre, il n'a rien vu, mais c'est l'enfant qui a recomposé ça et qui envoie ça au cuisinier noir comme un message de détresse, parce qu'il n'ose pas dire, comme à sa mère, il n'ose pas dire que c'est son père qui l'a agressé. Donc voilà, en tout cas, c'est pour moi vraiment le cœur. Pour moi, ces deux scènes-là sont extrêmement importantes dans le film. Et la vraie horreur de Shining, pour moi, elle est là. Elle est dans on voit ça, enfin, dans Barry Lyndon, vous voyez, il y avait aussi quand même le personnage de Barry qui s'en prenait à Lord Bullingdon, et ça allait jusqu'à la mort, hein. Donc il y avait déjà ces thèmes-là qui étaient présents. Mais là, c'est très intéressant de voir comment il l'exprime par le fantasme, par la déformation d'une scène, et ça ira plus loin dans Eyes Wide Shut après. Donc pour finir, je vais vous montrer aussi le dernier plan du film, qui est le fameux travelling avant sur la photo, parce que c'est pour moi aussi, il y a aussi quelque chose là dont on peut parler, qui est aussi un sens caché. Donc extrait numéro 6.
Voilà, donc ça c'est le final du film. Vous savez que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le livre de Stephen King. J'aurais pu vous montrer la poursuite dans le labyrinthe, mais elle était vraiment trop longue. Mais donc ça se termine par le père qui poursuit son fils dans le labyrinthe. Le fils réussit comme le petit pousset, comme ça, à égarer son père et à ressortir du labyrinthe, alors que Jack meurt gelé dans ce labyrinthe. C'est le plan que vous avez vu là, qui a été tourné avec un mannequin d'ailleurs. Hein, c'est pas Nicholson, c'est un mannequin qui a été fabriqué. Et en fait, ce final en fait a été complètement inventé par Kubrick, hein, puisque au départ, vous savez que dans le livre de Stephen King, il y a des animaux taillés dans les haies qui prennent vie comme ça et qui poursuivent l'enfant. Il s'est dit qu'on n'allait jamais pouvoir faire ça, en tout cas avec les moyens de l'époque, c'était même un peu ridicule. Donc, il avait inventé comme ça ce labyrinthe. Ce qui est un peu curieux parce que le labyrinthe, hein, c'est plutôt quelque chose d'européen. Vous n'aurez jamais un hôtel western, un hôtel dans les montagnes rocheuses avec un labyrinthe européen comme ça. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quand vous voyez au début, hein, le plan d'ouverture, quand on arrive sur l'overlook, là, dans le plan que je vous ai montré dans le générique, on ne voit pas le labyrinthe. Hein. Donc, c'est ça qui est alors, forcément, si on le cherche, on se dit, mais alors, c'est où il est? Non, il n'y est pas, parce que c'est forcément, il a été construit en studio, il n'existe pas, il n'y a pas d'hôtel comme ça de l'Ouest avec un labyrinthe qui a l'air de sortir du 18e siècle, hein, du 17e siècle. Donc ça, c'est une création qu'il a vraiment... Il a complètement réinventé la fin, et c'est ça qui n'a pas plu du tout à Stephen King, parce que qu'est-ce que nous dit la fin, hein, cette photo énigmatique qu'on voit, qui est là depuis le début, hein, quelque part? C'est qu'en gros, le personnage de Jack, en fait, est réincarné, c'est-à-dire revient cycliquement, c'est-à-dire que Grady, le fameux type qui avait tué sa famille, c'était déjà lui, et le Kubrick suggère, en fait, qu'il y a une sorte d'éternel retour, comme ça, une perpétuation du cycle de la violence, comme ça, du personnage qui revient pour refaire la même chose. Et quelque chose, ce thème de la répétition, c'est quelque chose qui n'est pas très dramatique, hein, c'est-à-dire de montrer une dramaturgie entièrement faite sur la répétition, qui est déjà annoncée dans l'entretien avec Ullman, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours la même chose, ça va recommencer, et peut-être après ça, il y aura encore un autre personnage qui reviendra dans plusieurs années, qui sera encore Nicholson, vous voyez, qui viendra tuer sa famille. Donc, en fait, quand vous voyez la photo finale avec Jack, qui a l'air de faire partie, comme ça, de ce groupe de gens qui sont les gens dont je vous parlais, hein, qui sont l'élite de l'époque, mais lui, est le caretaker, il ne fait pas partie de cette élite. Et ça, c'est un thème que Kubrick a toujours traité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il avait une obsession comme ça pour les gens qui veulent faire partie de l'élite, mais qui sont, en général, leur drame, c'est qu'ils sont renvoyés à la fin là où vraiment à leur juste place. C'est-à-dire Barry ne fera jamais partie de l'aristocratie anglaise. Il est expulsé. Le docteur Bill de Eyes Wide Shut croit qu'il fait partie des super riches de son copain Sidney Pollack, alors qu'à la fin, le type l'humilie pour lui dire « t'avais pas le droit d'être dans cette partouze et toi, tu n'es que mon médecin personnel, en fait, reviens à ta place ». Donc, il avait comme ça cet intérêt pour les personnages déplacés, comme ça, qui ne sont pas à leur place et qui veulent s'intégrer, mais qui sont rejetés. Et le personnage de Jack, ici, illustre vraiment ça. Et cette photo donc, hein, que Kubrick a inventée, hein, qui n'est pas dans le livre de King, c'est une invention qui est assez... Je vous parlais de Volutune Annie Coucou, mais vous savez qu'avec Diane Johnson, ils ont regardé tous les films d'horreur qui sortaient à l'époque quand ils élaboraient le scénario de Shining, hein, c'était donc en 77, et à un moment, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Trauma, de Dan Curtis avec Oliver Reed, et vous avez une famille qui rentre dans une maison hantée, comme ça, avec le père qui devient de plus en plus dingue, et ça se finit par toute la famille meurt, et en fait, on voit le dernier plan final, c'est qu'on voit dans les photos de la maison, on voit tous les personnages, tous les membres de la famille qui font partie de la photo. C'est exactement le même final, et je suis quasi sûr que Kubrick a été influencé par ça et qu'ils ont vu ce film-là. Donc, en fait, vous avez à travers ça aussi un élément important, c'est-à-dire que ça se termine, le dernier plan du film, finalement, c'est un écriteau qui montre bal du 4 juillet 1921, et vous savez que le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance, hein, américaine, et ça veut dire simplement, ça sanctionne, vous savez que Barry Lyndon se terminait sur Lady Lyndon qui signait la pension allouée à son ancien mari, et on voyait qu'il y avait 1789, c'était 1789. C'est aussi une date, vous voyez, de révolution. Donc là, quelque part, on voit une capitulation, c'est-à-dire que le personnage de Jack a l'air de faire partie, comme ça, d'une société qui est, en tout cas, qui fait partie d'une société qui, en tout cas, a
je vous parlais d'une oppression, c'est-à-dire cette date du 4 juillet aussi symbolise la fin d'une guerre, hein, de guerre d'indépendance, et donc l'Overlook, ses habitants sont les représentants comme ça d'une nation américaine qui s'est construite sur le sang et qui s'est construite sur les guerres, que ce soit les guerres contre les Indiens, les guerres d'indépendance. Et vous voyez que les trois personnages, si Jack représente l'homme blanc, il le dit d'ailleurs au barman à un moment, il fait allusion, il dit « white man's burden », il dit le fardeau de l'homme blanc quand il parle de sa vie. Mais vous voyez quand même que Jack, que Wendy, Danny et Aloran sont la femme, l'enfant et l'homme de couleur qui sont en gros, soi-disant, les minorités, enfin les personnes opprimées. Et il y a cette lecture, en tout cas, extrêmement, moi je trouve, pertinente, comme ça, de la famille Torrance qui, en gros, symbolise un petit peu aussi, et l'Overlook qui symbolise l'histoire des États-Unis. Et vous voyez comment, à partir de tout un film d'horreur comme ça, il a traité, je trouve, de thèmes qui ne sont pas des thèmes qu'on trouve dans les films d'horreur habituels. C'est-à-dire que dans L'Exorciste, c'est très difficile de voir à travers Reagan ou à travers Pazuzu l'histoire américaine. Vous voyez, alors que chez Kubrick, c'est extrêmement clair qu'il traite de ça. Et que les horreurs, les massacres des Indiens, c'est là-dessus que l'Amérique s'est construite. Et l'Overlook, en fait, est construit là-dessus. Vous voyez, donc l'Overlook fait partie est une sorte de métaphore comme ça de l'Amérique. Moi, je n'y lis pas du tout Auschwitz ou les camps de concentration comme certains types de Room 237 le disent. Mais par contre, je trouve que l'illustration comme ça de dire que ça fait partie que ça fait allusion au passé comme ça sur lequel s'est construit l'Amérique, c'est tout à fait pertinent. Voilà, donc en gros, voilà, je suis allé un peu vite là sur la fin, mais vous voyez, j'ai essayé quand même de vous faire prendre conscience que c'est un film d'horreur qui essaye de dire beaucoup plus que simplement l'histoire qu'il raconte. Comme Eyes Wide Shut, quelque part, fonctionnera aussi sur le même plan. C'est-à-dire que Kubrick, en 1960, avait déclaré un jour qu'il rêvait de faire un film contemporain dans lequel il pourrait traiter de tout. Du sexuel, de l'historique, du psychanalytique. Et je pense qu'il y arrivera avec Eyes Wide Shut. Mais déjà là, on voyait qu'il allait vers ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire un simple film d'horreur. Il fallait faire rentrer l'histoire des États-Unis et quasiment même l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'embrasser comme ça quelque chose d'extrêmement large, qui n'est pas du tout ce que fait Polanski, par exemple, dans Rosemary's Baby, vous voyez, qui est un des films d'horreur que Kubrick appréciait beaucoup, hein, et qu'il avait projeté à son équipe pendant le tournage de Shining. C'est très difficile d'avoir ce genre de lecture avec Rosemary's Baby. Ici, c'est vraiment, on a affaire à quelque chose de très particulier qui, je pense, après, a aussi explique un peu pourquoi le film avait déconcerté, vous voyez, parce qu'il y a toutes ces lectures. Et pourquoi il mettait autant de temps à faire un film, c'est aussi ça, je pense, c'est que toutes ces prises, c'est qu'il y avait tellement de soucis de faire presque trois films en même temps. C'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement un film. Là, pour intégrer tout ça, tisser cette tapisserie visuelle, les dessins indiens que vous voyez dans l'hôtel Overlook, il y a beaucoup de triangles, enfin, tout ça, ce n'est pas des coïncidences. C'est-à-dire que ça fait partie. Il avait besoin de ça pour fonctionner. Peut-être qu'il se disait que personne ne le verrait, mais pour lui, pour trouver une cohérence dans ce projet, il avait besoin d'intégrer tout ça dans un film. Et c'est aussi pour ça que ça prenait tellement de temps et que je pense qu'à la fin, ça l'a tué. C'est-à-dire, je pense que Eyes Wide Shut l'a tué parce qu'il était épuisé. Il avait tourné 2 ans. C'était un film qu'il avait voulu faire pendant des années. Il était en mauvaise santé à l'époque. Hein. Il avait déjà eu une attaque cardiaque en 1993. C'est en partie ça qui lui avait fait renoncer à son film sur la Seconde Guerre mondiale, Aryan Papers, et qui correspondait d'ailleurs au départ de sa fille, hein, celle qui est tombée dans la scientologie. Moi, je pense que c'est un drame aussi, en tout cas, qui l'a beaucoup affecté. Mais en fait, cette volonté comme ça de pouvoir faire le film ultime, de pouvoir faire tout rentrer dans un film, c'est quelque chose d'épuisant. Ça épuisait les gens avec qui il travaillait, et ça a finalement, je pense, eu sa peau à la fin. Voilà. Merci.